avant la grande sortie, nous allons faire une nouvelle recette. Nous allons faire une pizza à la mandarina. Pour la pizza à la mandarina, il nous faudra de la farine. Dans la farine, je vais verser de la levure. Une fois avoir versé la, levure, il faudra de l'eau et du sel. J'arrive, je vais chercher juste le sel. Maintenant, je vais mettre un œuf. Maintenant, je vais prendre le lait concentré. Maintenant, je vais mélanger. Je mélange. Je rajoute encore de l'eau. Je rajoute encore de l'eau pour que ça donne une texture pâteuse. Je rajoute encore de l'eau parce qu'il en manque. Je mélange. Et je rajoute encore de l'eau. Juste. Allô ? Téléphone est cassé. Et là, je mélange jusqu'à avoir la texture pâteuse. Si vous continuez à demain la crier après. Voilà, on a fini à mélanger la pâte. Ah, hein? Voilà. Aujourd'hui c'est pizza. C'est maison, je vais faire. Hein? Donc la pâte est là. On le laisse reposer. 10 minutes après, voilà. À tout à l'heure, mes abonnés, hein, c'est Amoureuse Ndiaye. Hein? Je salue tout le monde. Et bonsoir. Voilà mes trois fromages que je devais utiliser tout à l'heure. Voilà la tomate. C'est cette maison. Mon centre tomate. Et voilà. Ciboulette. Ketchup. Wapé, wapé. Waouh. Voilà. Wapé. 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 Fait maison, hein? Et.
j'ai mis fromage. Hein? Donc, il me reste celle-là et ça. Voilà, donc je vais continuer à faire le fromage. À tout à l'heure. Voilà, donc au four, 180, ça me gagne. Je vous salue. Nous, on a l'air. Je suis abonné à mon alen. Si l'on est nec, j'ai un alen. Je vais vous dire un petit. Je vais vous parler de mon pizza après une fois que c'est tard. À tout à l'heure, ça me gagne. Bisous, bisous. Voilà. Je vais faire la tomate. Après, la pizza à la maison. La fin de la recette des pizzas. Là c'est la pizza 3 fromages. Et là c'est la pizza au jambon. Tout s'est fait maison. À la prochaine pour une nouvelle recette.